patronat du Mali, les patrons d'entreprises du Mali se penchent sur la politique fiscale du gouvernement afin d'améliorer le climat des affaires au Mali. C'était lors d'un petit déjeuner professionnel initié par le gouvernement, présidé par le ministre de l'économie. La demande se veut constructive puisqu'elle va permettre de faire participer le secteur privé au débat budgétaire. Nyanya Aliou Traoré était présente. Une tasse de thé et du croissant pour certains, un peu de brouillé et du jus d'orange pour d'autres. Nous voilà bien partis pour 2 heures d'échange en toute convivialité. Le cadre, le CNPM, les invités, les patrons d'entreprises du Mali autour du ministre de l'économie. La rencontre, une première, elle s'intitule « Petit déjeuner professionnel ». Aujourd'hui, on est certain que le secteur public a envie aussi de dialoguer avec le secteur privé. Tel n'était pas le cas il y a des années. Pour un coup d'essai, les organisateurs ont réussi un coup de maître. Une véritable synergie créée entre les participants sur un sujet capital. La politique fiscale du gouvernement, quelles réformes pour l'amélioration du climat des affaires et le développement économique du Mali. Chacun a eu l'occasion de parler de ses problèmes. Autant le temps a été court, mais les gens ont été très précis. Ce que nous avons retenu, c'est déjà la volonté du gouvernement d'avancer sur les problèmes fiscaux que le secteur privé connaît. Dans son exposé, après avoir longuement félicité le patronat pour cette initiative heureuse, le ministre s'est attardé sur 3 points. Boubou Cissé a soulevé 3 questions. Qui et quoi sont imposables et quelles sont les modalités d'imposition? Quand on parle d'impôt, c'est plutôt un instrument avec lequel l'État collecte ou recueille de l'argent, et de l'argent qui est nécessaire au financement de ses activités ou au financement de son développement économique. On retiendra des échanges qu'à ce jour, seulement 40% de la population paie son impôt au Mali.